Le clan Mbappé en pleine parano, le Real Madrid qui éclipse la star française d'une publication, et on t'explique pourquoi. Et Lionel Messi en feu avec l'Argentine. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Les suites de l'affaire polémique qui frappe Kylian Mbappé avec des informations qui vont clairement dans tous les sens. Du coup, son avocate a pris la parole sur TF1 pour défendre son client devant l'emballement médiatique. Elle a confirmé le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse dans cette affaire. Elle explique que le capitaine de l'équipe de France est serein face aux accusations venues de Suède, mais complètement éberlué par la position radicale de certains médias locaux. La presse suédoise, elle, maintient ses informations autour d'une plainte déposée en Suède contre Kylian Mbappé, sans citer de source. Une chose est sûre, le clan Mbappé est persuadé que le PSG est derrière tout ça. Confirmation de Daniel Riolo sur le plateau de BFM TV. Il a livré son analyse et ses informations sur les nouvelles révélations autour du joueur. Et selon l'éditorialiste de l'Afterfoot, l'entourage du joueur pense bel et bien un coup monté de la part du Paris Saint-Germain en marge de cette fameuse guerre de communication entre les deux parties. Du côté du Real Madrid, on soutient le joueur en coulisses. Par contre, certains suiveurs du club ont remarqué que la star merengue avait mystérieusement disparu d'une publication sponsorisée du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Mais cela n'a rien à voir avec cette nouvelle affaire, c'est une question de contrat. La publication sponsorisée concerne une nouvelle collection avec Adidas. Et le joueur français est l'égérie, on le sait, de la marque Nike. L'autre affaire un peu éclipsée d'ailleurs autour de Kylian Mbappé, c'est justement ce fameux litige avec son ancien club, le PSG, à propos de salaires et primes impayés. La commission paritaire des recours de la Ligue de foot professionnelle a mis ce mardi l'affaire en délibéré. Il faudra donc attendre le 25 octobre pour découvrir la décision finale de l'instance, mais très clairement, on se dirige vers une procédure judiciaire au prud'homme pour régler le conflit. Il y a 55 millions d'euros en jeu et chacun va camper sur ses positions. Un mot du mercato avec le champion de France à nouveau cité dans le dossier de Franco Mastantuono, le prometteur milieu offensif argentin de River Plate, plaît toujours au club parisien et à Luis Enrique. Le PSG voudrait passer à l'action dès le mois de janvier pour écarter la concurrence des gros clubs européens. C'est un gaucher très technique qui peut évoluer soit en meneur de jeu, soit sur un côté. Le Real et l'AC Milan sont aussi sur le coup. Et selon le média argentin TixSport, sa clause libératoire est fixée entre 45 et 50 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour Bradley Barcola, l'attaquant parisien a remporté le trophée de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1 et c'est une première dans sa carrière. Autre bonne nouvelle cette fois pour les joueurs du PSG partis avec la sélection brésilienne, la Seleção s'est imposée 4-0 la nuit dernière contre le Pérou. C'était un match des éliminatoires du Mondial 2026 et Marquinhos était titulaire. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot avec Gianni Infantino, clairement sous pression selon l'équipe. La nouvelle Coupe du Monde des clubs lancée par la FIFA serait menacée. Ce nouveau format, très critiqué par les joueurs et les entraîneurs, peine à convaincre les diffuseurs. À quelques mois de la première édition, avec normalement 32 équipes prévues entre le 15 juin et le 13 juillet 2025. On en revient aux éliminatoires du Mondial 2026 de la zone AM Sud. Soirée de folie pour Lionel Messi avec 3 buts et 2 passes décisives à la clé contre la Bolivie au Monumental de Buenos Aires. Il s'est confié aussi sur son avenir en rappelant qu'il ne se fixait aucune limite pour la fin de sa carrière, tout en vivant chaque match comme si c'était le dernier. Ce sont ses mots. Tant que je vois que je me sens bien et que je peux continuer à aider l'équipe comme je l'entends, nous continuerons à en profiter, a lâché la star de l'Inter Miami. Thomas Tuchel s'est trouvé un nouveau job. Le technicien allemand a signé son contrat de nouveau sélectionneur de l'Angleterre jusqu'à l'été 2026 dans un premier temps. Objectif très clair, aller chercher enfin un titre pour les Three Lions dès le Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada si possible. Enfin, les Bleus joueront bien l'Euro 2025 malgré une défaite 2-1 face à l'Autriche mardi soir. L'équipe de France Espoir a décroché son billet pour la compétition qui se jouera en Slovaquie l'an prochain grâce à une place de meilleur deuxième. Les Français ont profité des défaites d'autres nations. C'est tout pour aujourd'hui dans ce journal du foot. Mais abonne-toi et on se retrouve très rapidement pour un nouveau JDF.